Bonsoir, nous voici à Grenoble où le soleil s'est invité cet après-midi. Avec 13 degrés, le thermomètre affichait des valeurs encore un peu trop élevées pour la saison. Heureusement, demain, on s'alignera aux moyennes et le ciel s'assombrira progressivement. Les conditions demeurent décidément bien agitées, mais elles ont une conséquence positive, celle de faire baisser les températures. On se rapproche enfin des moyennes de saison. Regardez, il fera moins 1 degré demain matin à Grenoble. On attend 2 degrés à Rouen, 3 à Mulhouse, il fera 4 degrés à Tarbes. On attend 5 degrés à Bourges, 6 à Montpellier, il fera 7 degrés à La Rochelle et on attend 8 degrés à Nice. Alors en ce samedi matin, le ciel sera souvent très nuageux. Il neigera sur le Jura, le Massif central et les Pyrénées à très basse altitude. À noter des flocons également entre les Ardennes et la Bourgogne. Les averses se concentreront sur la façade atlantique, tout comme les rafales de vent qui souffleront entre 50 et 80 km à l'heure. Dans l'après-midi, les éclaircies se maintiendront autour de la Méditerranée. Pour les autres, le parapluie sera encore de rigueur. Notre petit front avancera, glissant des Hauts-de-France au centre-ouest, apportant toujours autant de nuages, de pluie et de vent. Du côté des températures, on attend 5 degrés demain après-midi à Rouen et Aurillac. Il fera 6 degrés à Orléans, 7 à Reims. On attend 8 degrés à Biarritz, 9 à Rennes. Il fera 10 du côté de Dijon et on attend 13 degrés à Nice ainsi qu'en Corse. Dimanche, la perturbation arrivée au cours de la nuit traversera l'hexagone, des versants de nuages, précipitations et même flocons de neige. Le vent se concentrera sur la moitié sud et puis les températures seront voisines des moyennes saisonnières. Lundi, les conditions resteront agitées, le ciel alternera entre nuages, éclaircies, averses, mais aussi rafales de vent. Le long de la façade atlantique, on observera de la neige sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Mardi, le soleil s'invitera sur la moitié nord. Les rafales de vent chassant les nuages vers le sud. Bah là-bas, pluie, nuages et neige seront de la partie. Sur les Pyrénées et les Alpes, les précipitations seront plus continues avec de bonnes chutes de neige au-dessus de 1200 mètres d'altitude environ. Pour la suite, une nouvelle perturbation gagnera l'hexagone à partir de la façade atlantique mercredi, mais le temps restera sec sur la moitié est. Jeudi, alors que les averses se focaliseront sur la façade atlantique, le soleil prendra ses quartiers sur les régions orientales. Finalement, les précipitations gagneront la quasi-totalité du pays vendredi, épargnant toutefois le pourtour méditerranéen. Les températures durant ces deux journées repasseront au-dessus des moyennes. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6meteo.fr. Ce soir, passez un bon moment devant la Reine des Neiges de tout de suite le 19h45. Très belle soirée à tous et à demain.